à l'ancienne base. Est-ce qu'elle est passée, cette proto-relique? Par ici! Oh, mon preux chevalier! Votre princesse vous attend! Venez vite! C'est le capitaine, ça! Je rêve pas! Qu'est-ce qu'il nous fait encore, celui-là? Chers alliés, s'il vous plaît! Aidez-nous à sauver le capitaine! Si jamais il venait à disparaître, nous serions perdus! Qu'est-ce que tu veux dire? Malheureusement, nous ne sommes que les pions d'un jeu. En temps normal, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre sur le plateau que quelqu'un joue. Mais ça a changé quand le capitaine est apparu. Par miracle, nous sommes soudain devenus libres d'agir à notre propre guise! Depuis qu'il est avec nous, chaque jour est plus passionnant que le précédent! Je vous en supplie, nous avons besoin de lui. Bordel, qu'est-ce qu'on fait? Si on veut récupérer la proto-relique, il faut sauver le capitaine. Donc, on n'a pas le choix. Coucou tout le monde, on est parti pour une autre mission du Fort Condor. Donc là, j'ai pris cette formation-là, on y va, c'est parti. Donc c'est la mission à l'ancienne base, hein. On continue notre quête hein, pour avoir les protos aux reliques. Alors, côté stratégie. Bon, vous avez vu, il y a du vert, il commence avec ça direct. Ok, bah moi je me mets à gauche. Et je tente... Qu'est-ce que j'ai mis? Donc, ah oui, c'est vrai que là, il y a maintenant les assaillants d'élite. C'est plutôt pratique, hein. Vous allez voir, ils sont quand même balèzes. Sauf qu'il y a un vert en face de moi, donc j'ai l'avantage. Je mets quand même un défenseur derrière. Lui, il a envoyé un de ses tanks, là. Vous avez vu, hein, sur la droite. Ok, je continue, voilà, les archers, très utile, on y va, on attaque, un soigneur. Donc là, vous avez vu, pour les élites, hein, j'ai mis Tifa cette fois-ci, il y a Claude et Tifa. D'accord, le soin, l'oiseau qui nous attaque quand même, on essaye de faire pression. Voilà, soin et attaque. Ok, il faut que je vérifie mes arrières. Je sens que ça va être compliqué. Là, il y a des défenseurs qui arrivent. Ok, il y a le loup aussi. Là, je me dis... Ouïe, aïe, aïe. Il va attaquer mon oiseau. On met un combattant. Voilà. Et il y a le colosse qui arrive. Avec des armuriers. Ouais, là, ça commence à être un peu critique hein, quand on voit ce qui se passe. D'accord. Donc, il faut que je continue. Je sais que normalement, je vais avoir Tifa dans pas longtemps. Et il faut que je remette encore un assaillant. Allez, faut qu'il tienne. J'ai préféré mettre un défenseur quand même, pour assurer un petit peu, mais là, ça devient critique. Ok, il se rapproche. Voilà, là par contre, normalement, si je mets un assaillant, j'ai assez pour mettre Tifa. Piqué du talon. Vas-y, pourquoi je suis pas en face? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici? Non... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je remets un défenseur ici. Voilà, là, c'est le moment. Sauf si j'ai mis Claude. Mais non, j'ai quand même mis Tifa, voilà, pour faire une large attaque au niveau de la zone d'action avec le piqué du talon. On continue. Donc là, j'ai assez aussi pour mettre Claude. Donc ça va m'aider. Là, je me suis dit, c'est le bon moment. Claude qui va attaquer et essayer de couvrir aussi. Sauf que vous avez vu, j'ai pas eu le temps de mettre de suffisamment de soigneurs. Voilà. Alors qu'il n'y a plus Tifa. C'est quand même problématique. Ok. Donc là, il faut continuer. Faire pression, mettre un maximum de soldats. Et ça va le faire. Donc essayez bien de mettre des soigneurs hein, avec vos unités héroïques. Ça permet vraiment de davantage les soutenir. Les combattants. Donc là, ça va, j'ai réussi à faire une percée. Donc c'est bon. Je peux continuer d'avancer. Donc après, j'ai plus qu'à bourriner. Hein. Bien sûr. Et ça le fait. Voilà, vous avez vu le chrono, c'était juste, il me restait plus beaucoup de temps, j'ai eu de la chance, mais heureusement, c'est gagné. Non, mon doux héros, la
Lâche-moi! Arrête de me coller! Si tu veux me remercier, donne-moi la proto-relique! J'ai le regret de te dire que c'est hors de question. Ce trésor appartient à nul autre que moi. Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous le céder. Capitaine ? Rejoignez-moi, mes braves. À présent que j'ai recouvré mon trésor, je suis invincible. Et ensemble, nous bâtirons un empire. Capitaine, attendez-nous ! Capitaine ! C'est comme ça qu'il nous remercie de l'avoir sauvé. D'après les combattants de Fort Condor, ce phénomène a commencé avec l'arrivée du capitaine. Ils disaient qu'ils étaient devenus libres d'agir à leur guise. Ils avaient l'air tellement heureux. Je les comprends. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti quand j'ai été libéré de Hojo. Le capitaine est probablement pour ses combattants ce que Cloud a été pour moi. Il est sans doute devenu leur symbole d'espoir. Ouais, bah maintenant, il les a embrigadés. Il faut qu'on récupère la proto-relique. Certes. J'ai déjà localisé son nouvel emplacement. Parfait. Allons-y. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos j'aime et vos abonnements, et je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy VII et Rebirth.